Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iRacing et ça faisait très longtemps, je vous l'avoue, qu'on n'avait pas fait du iRacing et aujourd'hui, épreuve pas des moindres, non ce ne sont pas les 500 miles d'Indianapolis mais plutôt les 125 miles puisqu'on va faire que 50 tours, c'est déjà pas mal, 50 tours aujourd'hui en IndyCar donc aujourd'hui sur le circuit d'Indianapolis. Le setup est fixe, donc tout le monde a le même setup, je suis dans le deuxième ou troisième split, attends, je pense que je suis plutôt dans le deuxième, enfin, c'est sûr que je suis pas dans le top split parce que sinon je serais avec des Johan Hart, des Loïc Barbe, etc., enfin, avec des mecs qui ont plus de high rating que moi sur l'Oval. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai le numéro 1, donc je suis le meilleur des pourris, en fait. Et donc va falloir défendre ce numéro 1 et j'ai fait P4 en qualification. Donc on va voir ce que ça va donner. Honnêtement j'ai un peu peur. Le but du jeu, encore une fois, je pense que ça va être d'essayer de terminer la course. J'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas combien d'essence il va falloir remettre au pit stop. Je pars sur l'idée qu'il faille que je vais remettre peut-être 35 litres, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, voilà, ça va être le gros problème, la gestion de l'essence et ce genre de choses, et prévoir le combien on met, etc. Plus que les pneus, va falloir s'arrêter peut-être un peu souvent, parce que le setup est assez vénère sur les pneus, en fait, il a tendance à beaucoup user les pneus. J'ai fini un relais tout à l'heure, il me restait 60% de gomme donc sur l'arrière droit, donc le pneu qui est le plus sollicité. Donc on va voir ce que ça va donner, honnêtement, j'ai un peu peur, j'espère ne pas être pris dans un crash. Si je suis pris dans un crash, bah écoutez, c'est la course, hein, c'est comme ça. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien, on va essayer de prendre du plaisir, tranquille. Hop, on va s'aligner, donc je vous ai dit P4, one to go, on va faire donc un tour de chauffe, enfin chauffe. Contrairement aux 500 miles, on part à 2 de front, on part pas à 3 de front. Faut dire que si on part à 3 de front sur iRacing, c'est carton direct avant même le premier freinage ou même le premier virage. Donc autant vous dire qu'on va y aller tranquille. IndyCar, 500 aller sur Indianapolis, ça va être sympa. Tac, je regarde, voilà, on va mettre les temps réels. Alors ça c'est joué à pas grand chose, hein, évidemment. La qualif, ça joue sur un petit coup de volant, une petite trage un peu mieux prise qu'une autre sur un des virages ou ce genre de choses. Donc voilà, aujourd'hui, course un peu stratégique, on va voir qui va se dévouer pour prendre la tête du paquet et utiliser beaucoup d'essence parce que du coup, bah, celui qui est devant va consommer plus que ceux qui sont derrière à l'aspi parce qu'ils vont pouvoir relâcher. Je vous avoue, j'avais pas envie de partir en première ligne parce que clairement la première ligne, c'est pas top pour ça. Donc on va voir. Bon, ça démarre Gérard là ou pas? Ah voilà, c'est parti. Hop, on met la première, on roule tranquille. Pas besoin de zigzaguer comme un fou furieux pour les pneus. Ils vont suffisamment morfler pendant le... Quand ça s'appelle pas la course. Surtout pendant le relais. Hop, et première chose les gars, économiser du carburant. Parce que plus on économise, moins on remettra de carburant. Évidemment, attention à pas se rentrer dedans direct. Oula, j'aime pas ça. À gauche, il est en train de popper. Ah, oh là là, oh non, il est en train de popper à gauche. Aïe, aïe, aïe. Des petits problèmes de coup pour Pedro. Ah là 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 là, c'est terrible. Alors, Gabor, non. Rodrigo, oh là là. Ouh, on est entouré par des hispaniques. Ça va être joyeux. Ça va être... ça va être, comment dire, oh, ça va être joyeux. Allez, va falloir être précis, va falloir être concentré. Je me suis un peu entraîné, pas énormément, mais un petit peu quand même. Je le sens un peu chaud bouillant, le Pedro, là. Il me fait un peu peur. En plus, il y a le numéro 17, devant 19, 11. Donc, c'est des mecs qui sont un peu chauds de la nouille, quand même. Donc, est-ce qu'ils vont... Kevin, qui est français derrière moi, je crois. Est-ce qu'ils vont pas faire de bêtises? Inch'Allah, hein. Inch'Allah. Alors, on n'a même pas utilisé un litre de carburant, ça c'est plutôt pas mal déjà pour une preuve. Ça c'est du lift and coast, frérot. Allez, on va redescendre quelques vitesses. On va passer en green. Normalement c'est au vert qu'on doit partir, hein, frérot. Oh, punaise, frérot, c'est au green flag qu'on part. Là là. Bon, c'est pas grave, écoute, tant mieux, ça fait un départ un peu en file indienne. En espérant qu'il n'y ait pas un jaune tout de suite.
On va essayer d'économiser notre premier relais tranquillement. Et après, en fait, en fin de relais, on essaiera de d'aller chercher peut-être un peu plus de perfo. Allez les gars, travaillez intelligemment, bande de... Alors, il est toujours là, il va me dé... Oula, il a pop. Il a pop. Voilà, très bien. Fais ça si tu veux, ça me va. Alors, faut être patient. Patient, patient, patient. On relâche légèrement. On va même passer la sixième. Pour essayer de prendre un petit peu d'aspi. Oh là là, il me fait peur avec son pop. J'aime pas trop ça, frérot. J'aime pas trop ça. On va bien prendre de la marche quand même sur l'XT. Voilà, c'est bon, ça se passe bien pour l'instant. Alors, tente pas le tri wide, frérot. Tente pas le tri wide maintenant. Tu joues pas ta vie maintenant. Ah là là, ouf. Allez, on va se remettre, on va bloquer derrière. On va conserver l'XT. On l'emmène à l'XT, la petite. Allez, encore ici. Faut pas qu'il s'ouvre par contre. Allez, on est pas mal. Devant, si vous pouviez me donner la spi, j'aimerais beaucoup. Ce serait absolument génial et fantastico. Ah, je suis obligé de lâcher un petit peu et on va passer. Ah oui. Ouh. Alors c'est stratégique, hein. Indianapolis, c'est pas juste tu tournes en rond, tu fais 4 fois à gauche pendant 50 tours. Voilà, on va remonter sur les premiers. Après cette cacophonie un peu du départ. Alors attention aux dirty air. Vous avez vu ça dans la vidéo du DRS. C'est pas cool dans les virages, c'est très cool dans les lignes droites. Ah, l'autre qui revient comme une fusée, mais... Frérot, économise ta monture. Économise ta monture. Ça sert à rien. Hop là. Voilà. Allez, on lâche. Voilà, c'est bien. Alors, évidemment, lui, il va vouloir plonger. Aïe, aïe, aïe. C'est moi qui ai fait l'erreur. Je vais trop ouvert. On est pas mal, on est pas mal. Encore une fois, le but du jeu, c'est de rester en dehors des zones de turbulence, on va dire, entre guillemets. Hein. Voilà, lui, il va s'ouvrir comme un gros porc. Et on va lui prendre l'un T ici. Et t'es pas obligé de me serrer, frérot. Hein. Sinon, on part tous les deux à la casserole. Hop, on enlève un tir-off, frérot. Vous voyez, iRacing, c'est toujours sur de la marge de sécurité. Toujours prévoir une petite marge de sécurité pour éviter de se retrouver en carafe. Back in third. Ça sert à rien d'attaquer les virages pleines balles, les gars. C'est une course d'endurance. Rapide, mais d'endurance.
J'ai pas envie de passer les deux. Les deux, ils s'amusent très bien tout seuls. Moi, je suis en train de faire ma petite course. À un moment donné, il faudra Pete. Et moi, je serai là pour ramasser les pots. Enfin, ramasser les pots cassés. Non, c'est pas vraiment l'expression, je pense, mais... Quel est l'intérêt que tu fasses ça? Voilà, tu vois, tu rentres pleine balle dans le virage, t'as tout le dirtier de la voiture devant toi, et tu viens de toucher. Enfin, non, il m'a pas touché, mais oulala, c'était très proche. Tout ça pour reperdre la place juste derrière. Est-ce qu'il va apprendre? Si telle est la question, attention, outside, c'est bon, on est passé. Il s'est un peu foiré sur l'entrée du virage. Ok, donc Gabor défend, donc ça veut dire qu'il veut faire la course. Eh ben écoute, je vais te laisser avec grande joie la tête de la course, sans aucun problème, frérot. Si t'as envie de consommer, moi, ça me va très très bien. Écoute, hein, voilà, une vraie course à la consommation, c'est Indianapolis, c'est pas la Formule 1, les gars, c'est pas la Formule 1. Voilà, là, il va commencer peut-être à comprendre. Ah, les gars... Ça sert à rien, encore une fois, économisez votre monture, économisez votre monture. On est qu'au 10e tour sur les 50. Si Gabor, on pouvait travailler avec lui et s'échapper à deux, ça pourrait être vraiment sympa. Oh là là, il est proche du mur quand même. Hein. Tu vois, si on travaille avec lui, on s'échappe. Là, on est en train de creuser un écart, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment, 09. Allez, j'y vais frérot, laisse-moi passer. Prends-moi la spi frérot, prends-moi la spi. Derrière on les a décrochés, ça veut dire que c'est bon pour nous. Prends-moi la spi frérot, vas-y. Allez. Reviens comme une balle, reviens comme une balle. Oh non, il va économiser. Il va économiser. Ouais, il économise pour l'instant. Dans la backstrike peut-être qu'il pourra me passer. Donc dans la ligne droite de retour, hein, dans la ligne droite opposée comme on dit. Allez, vas-y. Allez, Coco. Je mets la sixième, comme ça je suis même un petit peu plus lent pour toi, si tu veux. Oh non, il économise. Oh le salaud. Voilà, voilà. Oh, 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 il m'a foutu les jetons, dis donc. Oh, oh, il a touché. Derrière, ils sont à combien? Ils sont à 2 secondes, on les a décrochés. Mission accomplie, les gars. Mission accomplie. Maintenant... Désolé mon Gabor, mais ça va jouer entre toi et moi, je te le cache pas. Moi je vais vouloir économiser mon moteur, mon essence, mes petits pneus. Attaquer un peu moins violemment. On est à combien de tours là? On est à 13 tours. On est à peu près à la moitié du relais. On a sauvé, je dirais, environ 5 litres de carburant avec toute cette histoire. C'est pas mal. Oh, aïe, 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 il a pris le vibreur. Ouh là 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 là, il a dû se faire une de ses frayeurs. Hey, yellow flag. Alors, yellow flag, frérot. Qu'est-ce qu'on fait? Yellow flag, yellow flag, yellow flag, yellow flag. Let the pace car by. Ok, très bien. Yellow flag. Ah non, c'est Kevin qui s'est fait avoir. Aïe, aïe, aïe. Crash avec Kevin. Yellow flag, frérot. On est à 14 tours. Il va rester 35 tours. On restart. Donc, faut faire le plein, frérot. Tu me fais le plein. Et normalement, ça devrait aller au bout. Ah, c'est dommage. On commençait à s'échapper avec Gabor. Bon, par contre, si le pace car pouvait un peu... Stay behind the 11 car. La pit lane est close. Tac, tac, tac. Je regarde rapidement. On remplace les 4 pneus. On met le max de fuel. Et normalement, eh ben, écoutez, le drapeau jaune tombe plutôt bien. Puisque derrière, on va essayer d'aller au bout. On va remettre donc 30 litres. Et j'ai peur qu'on n'aille pas au bout.
Bon, dans tous les cas, on va pit. Ça sert à rien de... Je pense que tout le monde va pit, hein, honnêtement. Je vous le cache pas. Allez, hop, là. On va pit, frérot. Il est où, mon petit gars? Oh, il doit être tout devant, vu que j'ai le numéro 1, je suppose. Je suppose que ça doit être comme ça. Vous êtes où, les gars? Je vous vois pas. Putain, et avec le gros machin devant, je vois rien du tout. Eh, il y en a un qui a des balls et qui ne va pas pit. Allez. Allez, les gars. Vous remettez le plein. Ah, il avait peut-être des petits dégâts. Ouais, Gabor avait des petits dégâts. Il a dû réparer un petit peu sa voiture. Alors peut-être qu'il s'est un peu foiré sur... sur l'arrêt, donc on l'a dépassé au stand pour l'instant. Alors, catch the 16 car, nickel. Stay behind the 16 car, donc lui, ah bah voilà, lui c'est le lucky dog comme on dit, je crois. Je sais pas s'il y a ça en IndyCar, c'est le cas en NASCAR, mais peut-être il y a ça en... Donc ça veut dire, comme il est à un tour, peut-être qu'il va pouvoir dépasser la voiture de sécurité et revenir dans notre tour. Ce qui pourrait être pas mal pour lui. Alors je vois Jérôme Piétquin, pardon, qui effectivement est au stand. Non, il est reparti. Neil Archbold. Bon, écoutez, pour l'instant ça se passe pas mal. Maintenant, quelle est la suite que l'on va donner à notre course? Là est toute la question. Là on a de quoi faire. Pour l'instant 54 tours, mais c'est parce qu'on est à un rythme réduit. Il va falloir prendre la température rapidement, savoir combien on fait de tours. Et s'il va pas falloir faire un peu de lift and coast, est-ce que j'ai assez économisé de carburant? Je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. On va voir. Alors déjà, on a tout to green et on va se retrouver au moment du départ. Bon, alors effectivement, Miller est passé devant la safety car. Et c'est à nous que revient la dure tâche de lâcher le restart. On va le faire proprement au moment du drapeau vert. Et on va bien se caler sur l'extérieur, parce que ils peuvent nous passer par l'extérieur, mais ils ont pas le droit de nous passer à l'intérieur et ils se prennent un black flag. Allez. Bon, j'avoue, j'attendais impatiemment le green, 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 donc du coup, j'accélère un petit peu plus tôt. Mais ça le fait, la relance est propre, c'est parti. Boogie, 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 let's go racing. Bon, ça, c'est plutôt la NASCAR, mais vous m'avez compris. Alors, le but du jeu, c'est essayer de peut-être décrocher un peu le paquet, je sais pas. On va voir avec Tobias, avec Gabor, d'abord. Gabor, d'abord. Allez, passe-moi, t'as une vitesse de pointe de fou. Ouah, le deuxième va passer aussi. Ok, les gars, très bien. Vous voulez la jouer comme ça, je vois. On perd deux places d'un coup au restart. Ce n'est pas grave. La stratégie, c'est de sauver de l'essence. Allez, on regarde vite fait l'essence. Je pense que pour l'instant, on est pas mal, hein, au niveau de l'essence. On verra après quand est-ce qu'on attaque. Encore une fois, ça sert à rien d'aller au casse-pit tout de suite. On va essayer de réfléchir un peu la course. Wow, c'était chaud entre Gabor et Tobias. Dès qu'on en saura un peu plus sur notre conso d'essence, on va voir où est-ce qu'on va se retrouver. Hop, on met le real time. On va y aller tranquille avec les pneus aussi. Parce que les pneus, c'est le seul truc dont j'ai peur. C'est qu'ils aillent pas au bout. Je pense qu'ils n'iront pas au bout. Je pense qu'il faudra repiter. Juste pour des... Ouh là là. Oh, j'ai cru qu'il y avait grosse grosse touchette. Oh, il souvient de ouf. Oh là 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 là. Ah, ils sont chauds les deux. Là, ils sont chauds pour le spectacle. Il se décale un peu fort quand même, le petit Tobias. Là, il a les dents qui raillent le parquet. Ou plutôt le bitume d'Indianapolis. Et si on était né dans les années 1900 et quelques, 30 même d'ailleurs, bien, on dirait que... Il lime les briques.
puisque avant Indianapolis était un ovale composé uniquement de briques. Oui, oui, voilà. Oh là là, c'est chaud, ils prennent les virages à deux de front, frérot, ils perdent du temps, ils se fracassent les pneus, ils usent beaucoup de carburant aussi, puisqu'ils sont tout le temps à deux de front, ils prennent pas l'aspi l'un de l'autre, ils travaillent pas beaucoup ensemble, c'est très très bon pour nous, c'est très 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 bon. Faut qu'on économise nos pneus. Ah, on est un peu en sous-virage ici, on va tirer sur le pneu avant droit. On est en train de rattraper des retardataires d'ailleurs. Oh, un peu de sous-virage. Oh, ils vont se toucher. Oh. Alors, je vous préviens, on est aux premières loges si devant il y a un accident. Hein. Là, si on passe au travers, c'est magique. Vous m'appellerez Moïse dans les commentaires si jamais il y a un accident et qu'on passe au travers. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hop là, on va quand même protéger notre troisième place. Faut pas déconner non plus, frérot. Je vous ai vu, on s'est décalé de ligne. Pas me la mettre à l'envers. Pour l'instant, ça se comporte plutôt bien. C'est un peu chaud, mais ça va. On va leur faire peur. Pas sûr que ça a eu l'effet escompté. Ouf ! Oh non ! C'était sûr. Ah bah c'est ma faute. Non, non, c'est ma faute. Bon bah voilà, fin de la course. Oh, terribles images. Ah bah oui, bah non, mais là en fait... Est-ce qu'on peut se remettre sur le... Alors on va tôt la voiture, est-ce qu'on peut repartir? Je pense pas. Oh là là, oh! Ah non, ah oui non, la suspension est pas dans le bon état. Bon! Je leur ai fait peur et j'aurais peut-être pas dû en fait. Je pense que... Alors l'action vient pas spécialement de moi. Mais elle vient de moi. je vais prendre le blâme. Pourquoi je prends le blâme? Bon, on repart pas, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, towing la car, combien? Towing, oui, bon, déjà elle va towing, mais la voiture est morte, hein, donc... oui, la voiture est morte. Alors, voyons un petit peu. Donc eux, ils font des deux de front tout le temps à chaque virage. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les pneus surchauffent, les pneus... se dégrade aussi, donc t'as moins de jus dans les pneus et c'est un peu plus compliqué. On va essayer de mettre ça. Et donc là, en fait, ce que fait le pilote de devant, c'est qu'il c'est Tobias. Et à gauche, on a donc Gabor. Tobias se dit, je vais serrer Gabor pour lui dire, laisse-moi passer. Donc jusque-là, why not? Ça, c'est sûr. On va voir après ce qui s'est passé, parce qu'à mon avis, il y a dû y avoir un carambolage. Moi, je me dis, je vais me mettre à droite pour leur dire, ouh, on va faire un free wild, les gars. Et en fait, je pense que ça a dû faire... Gabor était pas au courant de ça. Bien que normalement, il est le rétro, donc il doit potentiellement me voir. Mais lui, il a dû prendre un peu plus peur. Et du coup, j'ai relâché peut-être certainement un peu tard. Il a pris très large. Et Gabor, après, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il est rentré aussi un petit peu fort. Forcément, il y en a un sur les deux qui a dû sous-virer, donc ça doit être Gabor. C'est lui qui a repiqué. Ouais, ouais, mais ouais, parce qu'il a peur de venir toucher le mur. Eh oui, mais non. Non, non, non. Gabor était vraiment super inside. Lui, là, il a presque, je dis bien presque deux voitures d'écart. Ah, frérot, Tobias, faut pas avoir peur du mur comme ça. Surtout Andy. Et du coup, contact. Et alors là, c'est fini, là. Là, ça, c'est fini. Là, c'est fini et... ouais, je peux... Ouais, une fois que j'ai choisi ma direction, je peux plus l'éviter. Là, ça va beaucoup trop vite. On est à combien, là, s'il vous plaît? 345 km/h? Me dites pas, ouais, tu pouvais aller au milieu. Non, c'est juste, t'as choisi une direction, ça passe, ça casse. Je ne serai pas Moïse, malheureusement, dans les commentaires. Alors, boum, 1, 2, 3, 4, 5... Oh là là, oh, 1, 2, 3, ici. Oh, le carambolage, frérot. Oh non, oh, le pauvre. Oh. Oh, c'est, oh, ça, alors ça, c'est terrible.
Alors, très bien. Combien de voitures au tapis là-dedans, là? Oh, qui est passé? Alors, yellow flag, donc lui, il est tranquille. Oh là là, le carambolage. Il a dû voir la... Oh, le big one. Voilà, hop là. Voilà. Et je gagne 40 places d'un coup. Merci beaucoup. Oh, je suis dégoûté. Du coup, c'est en partie ma faute parce que c'est moi qui provoque l'erreur probablement de Tobias qui a pris peut-être un petit peu peur, qui a dû se faire un peu dessus peut-être. On est avec qui? Avec Benjamin Reg. Oh, 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 t'y étais presque. Oh non. Oh, c'est terrible. Oh. Alors vous voyez, dans ces moments-là, faut... Ça va vite, là, on est à quoi? À 3,48. Dans ces moments-là, faut... Ouais, non, il peut rien prévoir. Il peut rien prévoir. Oh, oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, ouais, ouais. Et ben, voilà. Oh là là, ça joue à pas, gros. Oh, pff. Gros, Tobias, tu peux lui laisser la place. C'est pas interdit. On est avec Tobias. Donc là, il sait que je suis à droite. Il tourne. Je pense que là il a du sous-virage. Ah, gros, c'est pas nécessaire de te mettre complètement à gauche comme ça. C'est pas nécessaire, gros. Ouais, il a légèrement tourné le volant une fois qu'il a vu que l'autre move un peu à l'intérieur. En même temps, gros, laisse-lui de la place. T'as de la marge à droite. T'as une marge. Ah, c'est dommage, Tobias. Bon, ça fait un magnifique break. Il est là. Ça va. Le casque touche pas. Tout va bien. C'est quand même violent, les gars. Je veux pas dire, c'est quand même très violent. Ce qui devait arriver arriva, hein, voilà. C'est pas la course que j'aurais souhaité. Ça va me faire dégringoler dans le high rating, ça c'est sûr. Ma licence va aussi en prendre un coup. C'est vraiment dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Là, on peut pas y faire grand-chose, il y a trop de réparations à faire, et de toute façon, la voiture, elle est HS, c'est un peu dommage. Incompréhension entre les deux pilotes. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Bah, autant à vous qu'à moi, je sais pas, mais... c'est un retour sur iRacing, de manière... avec des belles figures. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao, ciao.